by Maya is a blessing. Non mais c'est très 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 grave. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Bro, le E qui proque le piston, enfin c'est... Le fer qui tombe quand, sur la mort, non mais... Elle est skin, c'est quelque chose. Hein. Ah c'est très 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 grave, je vous l'envoie. Bon allez, cette vidéo a l'air vraiment ultra intéressante. Parce que justement, je suis curieux de Cat Evolved qui a ultra pop-off sur KR. Ouais, voilà, du coup, il monte son profil. Et il gagne là. Oh, c'était clutch, hein, ça joue à rien. Conqueror. D'accord. Ah oui, il a profité du last end, du coup, sur le fight. Attends, il a dit quoi? 3 points dans le E et max Q? Ah non, 3 points dans le Q et max E. Ok, donc Q, probablement, pour pouvoir la site rapidement les CS. Et E, pourquoi? Pour les dégâts? C'est que les niveaux 2 sont particulièrement terrifiants, ouais. Ah, surtout Irelia, quoi. Non, mais en vrai, il fait trop mal, notre rôle. C'est Irel King? Non, mais mec. L'auto est passé, il flash auto pour pouvoir reset auto avec le E. En vrai, il fait incroyablement mal. Hein. Il te souligne de auto reset, ouais. Auto, E, auto. Enfin, ça reste terrifiant, tu vois. Q, auto, E, auto. Auto, flash, auto, E, auto. Ouais, ça fait quand même énormément d'auto. Ah, j'avoue que ça fait quand même énormément d'auto. Il a petit... non, c'est vraiment ultra bien joué. Et encore une fois, c'est Irel King, quoi. Putain, les trades qui tapent. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Le Galio sait qu'il n'y a pas de shampoo sur la kata, il flash sur la dague pour récupérer le shampoo et pouvoir le tuer. Terrifiant. Ouais, ça c'est normal, c'est les trucs de base de kata. Ouais, ça c'est pareil, c'est des trucs normaux de kata. Ramasser une dague avec le E en dehors de l'indicateur de range enlèvera les dégâts du E. Ah, putain! Ah, mais je suis certain que c'est ça qui fait que j'ai trop du mal sur Kata. C'est que des fois, tu shumpo sur la dague, mais du coup, tu fais pas des dégâts au shumpo. Tu fais des dégâts uniquement à la dague.
Et le fait de E tout le temps le mec et ensuite marcher sur la dague, ça garantit de ne pas rater son E. Putain! C'est dingue! Je jure que ça fixe tout mon gameplay de kata. Je la joue pas souvent, tu vois, mais ça m'arrive de for fun en draft, etc. et tout. Mais c'est super important à savoir en vrai. Ça fait toute la différence. Mais c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi il ramassait sa dague, mais c'est pour le petit dieu. Ok. Notre rôle, j'ai appris un truc. C'est pour ça qu'il fait comme ça et qu'il ramasse à la dague à chaque fois. Il chumpo sur le mec du côté de la dague et il la ramasse comme ça, il se prend les deux dégâts. Pixel. Ça, c'était archi bien joué aussi. Le mind game est excellent. Mais c'est dingue qu'il ait autant de kill potential niveau 2. Ça me rappelle ma lane avec Vayne, genre. Le fait que je nitro cheese l'early. Auto-reset. Il dag. C'est terrifiant. Vraiment, c'est faire flash cana sur ce duel, c'est vraiment terrifiant. Sachant qu'il avait le niveau 3 avant. Il était certain de pas la tuer au shampoo, il a garanti l'auto. Ok, il space la Irelia. Bah, la Irelia est morte. Hein. Oh, le burst qui vient de lui mettre. Mais mec, il vient de legit de lui mettre 200 de dégâts. Ah, il a fait un E en trop là. Il a encore fait le coup de shampoo sur le mec et ramassé la dague après. Ah, il est très. Non, il est vraiment trop trop fort sur son champ. Elle a bien joué, Larry, elle a été patiente. Il a même pas besoin de flash. Notre rôle, c'est terrifiant. Il a lancé le Q en même temps qu'il était en train de... Non mais... Il y a quoi à faire pour Larry? Si t'es sumless, tu fais quoi? Il touche son bisou? Ah ouais, non, il a space une auto en trop, en vrai. Il a space une auto en trop. Putain, mais c'est là où tu vois la différence avec les vrais gros très bons joueurs de kata, en fait. Tu perma shumpo, pas sur la dague. Non, 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 ça c'est très très grave par contre. Et là j'ai pas mis. Si le Q peut pas toucher, tu utilises un CS, ouais mais ça c'est un classique. Il a flash, regardez, il a flash auto pour shumpo derrière pour bait le bisou. Et il l'a tué, sinon il mourrait, il mange le bisou, il mourrait. C'est incroyable hein. Vraiment il menace le Q là. Enfin, il menace le kill. Ah, il flash out. Parce qu'il veut garder le shampoo. Il a flash out pour rentrer dans le cerveau de Kled. Kled pensait qu'il avait plus de shampoo. Il a shampoo derrière le Q de Kled. Pour tempo, tout ça pour tempo le CD de sa dague. Oh, dommage, le cancel de... Oh, nice, il meurt quand même. Le cerveau du bug est colossal, hein. Après la Kaïsa troll là, ouais. Eh, il est pas bien là. Hein. Ok, pardon. Non mais il BM et tout. Elle avait plus de bisous, il avait juste à attendre ses CD. En vrai, c'est terrifiant, notre rôle. Le Trinda qui est venu du néant, ça m'a mis très très bien. Le nombre d'autos, c'est grave. Il optimise super bien ses autos. Hein. Bon, après, tu me diras, c'est un OTP, mais...
Dès qu'il a vu que la Nidor revenait vers lui, il a commencé à space les à ulti, pardon. Et après, il a commencé à space les autos, c'était vachement bien joué. Ah ouais, il tue tout le monde. Ah ouais, non, c'est terrifiant, no troll, c'est terrifiant. Tu fais une erreur, tu lui donnes un reset. Après, il est vraiment prêt à tout donner pour le Z. Tu lui donnes un reset, il chase toute la team. Il survit, ok. Mais regardez le génie du move. Il setup la dague, il leur montre qu'il y va, donc tu vois, il conditionne l'adversaire à montrer qu'il va sur toutes ses dagues, en mode greedy. Il va sur la dague, il casse l'ulti, comme ça le blitz se dit ok, c'est le moment de full burst, et il dodge tout. Il a dodge ulti Zeri, ulti blitz, le burst de Karthus, et il a bait l'ulti de Draven. C'est phénoménal. Vraiment, notre rôle, le mind game est... Non seulement c'est mécanique, mais le mind game est irréel. Il hésite pas à utiliser son ulti juste pour DPS et pour garantir un reset. Magnifique, Temple Fear. Oh là là. Il a démonté le fight. Le WE derrière le haut, il est tellement bien maîtrisé aussi. Encore un ulti. Non mais oh, il a eu le raison. Non mais. C'est quoi cette merde? Ok, donc là il a Shumpo sur sa Karma, WQ sur la Harry. Il Shumpo la Harry, ramasse la dague du Q. Shumpo ulti. Et là il a eu ses resets. Le bro était ici. Il a fait tout ça genre une demi-seconde. C'est impressionnant, ouais. Attends, je vais baisser un peu le son parce que c'est un peu fort. Shumpo, 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 Shumpo. La tempo du stun de Jax. Il a le temps de casse le Q. Ouais. C'est très très fort. La suite du fight est extrêmement bien exécutée. Mais le plus impressionnant, c'est vraiment comment il set up son fight. C'est la partie la plus dure avec Kata. Les resets, une fois que c'est maîtrisé, prend 900 gold de shutdown, by the way. 450 gold sur le Nocturne. C'est terrifiant. C'est affolant. C'est vraiment, il est affolant, notre homme. Le flash. Oh, il tue pas. Oh, pain. Non, mais mec. 1000 gold sur le talon. Pour moi, il était mort genre à peu près 8 fois. Le bait de Lingage est big.
Regardez l'aggro de la tour. Il joue pour le pile de Sakzaya. Il a récupéré son ult. Ok, ouais. Counter avec. Et vraiment, il est pénible, notre rôle. Et vous avez vu à quel point il joue pour le reset ou pas? Il n'hésite pas à utiliser son flash au tout début du fight. Si ça permet soit de bait, soit de setup un reset. Dès qu'il a un reset, le fight, c'est pas le même. Tant qu'il a pas de reset, c'est très complexe. Dès qu'il a un reset, c'est, le fight est fini. Pixel la vidéo. Non, en vrai j'ai beaucoup. Notre rôle, j'ai beaucoup appris. C'est rare que ces vidéos, on apprend encore des trucs, mais. Putain. Toujours 13 ans plus tard, toujours en full learning.